Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur Starfield. Donc allez, on va continuer donc l'exploration de cette planète, on va la commencer. Donc il n'y a que du fer dans cette zone. Donc là, il y avait les garnisons de l'éclipse désertée. Là-bas, on est à un très là-bas, mais il est à 1300 mètres. On a autre chose là-bas. À 500 mètres. Vous faites de bons progrès avec ces scanners. Là-bas. Allez, on va aller voir celui-là, voilà, le repère naturel. Ok, c'est quoi ça? Ah d'accord. Ça c'est... merde, je sais plus. Gisement océanique profond? J'ai plus. Il est là. Crevasse, non c'est la crevasse gelée ici. Là on a l'eau, on va le prendre parce que c'est chiant de trouver l'eau. Voilà. Donc après, il y en a 900 mètres là-bas. Signe de vie, mais à 1500 mètres. On ira voir tout à l'heure. Donc là on a le plomb. Là-bas il y a le tantale. Là, les alcanes ici. Voilà le tantale. Ici on a le tungstène, donc le cuivre et le titane. On ira voir dans une autre zone s'il faut. Ah là on a le cuivre, bon plus que le titane. Signe de vie à 1100 mètres, là aussi. Bon. On ira du coup, on ira voir par là. On trouvera peut-être le titane sur le chemin. Ok. En une fois, j'ai tué le boss d'une fois, un headshot.
Ok. Alors, il ne l'utilise plus alors. Autant le prendre. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Ok. Je suis sûr qu'il est descendu. C'est pas grave. Ah, encore du bleu. Hein. Quasiment à chaque fois j'ai du bleu. Il est revenu. Oh, ça fait mal. Pourquoi j'arrive pas à le toucher là? Ah purée, parce qu'il y a la plaque là juste devant. Sans déconner. Ça, bon, le restant, on s'en fout. Donc là on a quoi? Des crédits. Red comme. On prend ça. Agent métabolique. Ouh, dans les pattes, ça fait mal. Comptez moi. Alors pourquoi il arrive à me toucher, mais il n'arrive pas à le toucher moi. Il y a lui là. Putain, il est même pas mort. Ça fait un peu loin là, je trouve. Voilà.
à lui ici. Ce n'est pas grave. On y passe après. La combinaison de mineurs, on s'en fout. Lui là. Qui est voulu se barrer. Bon, rien de plus par là. Ah, lui, j'avais pas fait par contre. Il était planqué. La combi spatiale de l'équipe, ça je prends. Faudra que je casse tout dans le vaisseau après parce que je suis lourd. Oh, il y a quelqu'un dedans. Ok, c'est bon. Allez, on se casse. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Un passage secret. Ouais, c'est pour aller au-dessus. Il a l'air très long en plus. Ah, il y a encore un mec. Putain, mais c'est pas possible ça. Allez, c'est bon, on se casse. Allez, on va aller voir le signe de vie là-bas, en espérant trouver du titane sur le chemin. Ah bah voilà le titane. Allez, 600 mètres à faire. Bon, il y a quand même un peu plus de bâtiments que sur Freya. Hein. Putain, Freya, nul. À part un bâtiment sur Freya, mais on peut pas y aller. Le laboratoire Nishina. Là. On peut pas y rentrer. Donc c'est bon. C'est notre deuxième trait. Cheminée de fermentation. Ok.
Alors là-dedans, il y a quoi? Iridium, beryllium et plomb. On va prendre les deux là. Bon, il y a quand même un peu plus de bâtiments que sur que dans le système Freya. Freya, il n'y a qu'un seul bâtiment, c'est le laboratoire Nishina, mais on peut pas y aller. Donc je sais pas comment je vais faire pour y pénétrer. Peut-être que ça sera une quête, je sais pas. Allez, on se casse. On va aller sur la lune. Attends, à moins que... Les déserts rocailleux. Donc là, il y a les montagnes. Tiens, on va aller voir un peu. Ouais, ok. Il faudrait que je retrouve le bâtiment là où il y a une tenue. Que je cherche. Ok, bon. On va aller voir les collines aussi. Allez. C'est pas mal aussi ça. Ouais. Après, il risque d'y avoir quelque chose. Allez, on se casse. On va voir ailleurs. On va se faire la petite lune. Affaires en vitesse et partons d'ici. J'ai hâte de revoir les étoiles. Alors, 009 de gravité, hélium 3 et aluminium. On va se mettre là. Avez-vous besoin de mon aide? Ah, tour de recherche abandonné. C'est pas mal. Là-bas, il y a de l'alu. Il nous manque l'hélium 3. Là-bas, on a quoi? Un repère naturel. Enfin, il n'y a pas grand-chose non plus sur ce caillou. On va se le faire à défaut. À défaut d'autre chose. Ah bah là l'hélium 3. Ça tombe bien. Ok, allez.
cadavre là-haut. Injecteur. Par où il va nous faire passer? Non, pas par la grande porte. Donc là-bas c'est fermé, donc il n'y a que la porte sur le côté là. Et que cette porte là. Ici, les cartouches. On y va. Personne. Là-bas. Chose ici. Je cherche juste des pommes de terre. Alors lui. Il n'y a que ça. Et lui. Ok. On va d'abord aller voir par là. Ici on mettre. Donc on a 2, 4, 6. Ce 4 là. Ça pourrait le faire. Attention, il n'y a que là qui passe. Si je mets là, ça marchera pas. Donc il n'y a que là. Après. Celui-là du coup. Ensuite. Ça non, ça passe pas. Celui-là, ça passe. Comme ça avec un 1. Voilà, ensuite. Donc ça avec un 1. Et pour finir, celui-là avec un 1. Donc alors... Ça valait pas le coup, hein, pour... Oh, il y a un truc dans le coin. Wow. Ah, un casque spatial légendaire, je prends. Je ferai le tri plus tard. Alors ici on a quoi? Ok. 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 Alors le petit coffre ici.
Donc alors on a du quoi 6. Donc il y aurait celui-là potentiellement. Avec celui-là. Et pour finir, 2, 4, 6, 8. 2 fois 4. Donc celui-là pourrait potentiellement passer. Comme là. Là non. Donc c'est soit là, soit là. Ok. Mais si je mets celui-là, du coup, là, ça passera pas parce que j'ai pas de 2 serrés là. Dans les autres 4. Donc c'est pas celui-là. Même si je mets comme ça. Ah, si je mets comme ça, c'est pareil, il reste un 2. 2 serrés, c'est pareil, donc ça passera pas. Donc celui-là, on l'élimine. Donc il n'y en a plus que 2. Comme ça, par exemple. Comme ça. Ça devrait le faire. Je dois avoir un aigneur et 600 crédits. Donc là, on peut pas passer. Donc on continue par là. On trouvera de la place pour ça, sans problème. Ah, j'en m'établis que je le prends. Vous savez, pour une heure d'expérience, il y a parfois des semaines ou des mois de travail de préparation. Tiens, le tube stérile, je le prends. Collecteur de stylite, la batterie positron, le micro-régulateur. La bobine de câble, non, on s'en fout. C'est pas un élément de fabrication. C'est de la quincaillerie. Non, on prend ça. Alors, on expère. 2, 4, 6. Il pourrait aller là. Avec celui-là. Ouais. Pourquoi pas. Après 2, 5, 6. Ouais, celui-là pourrait fonctionner. Là. Là, il pourrait aller là. Et celui-là, il pourrait aller là. Et ensuite, pour finir... celui-là avec le 1. Ah, 2 grandelles. Là, il y a un canon tech. Celui-là, il n'y en a pas. Là, il y a viseur réflexe, viseur de reconnaissance. C'est le même après. Ok. De toute façon, il m'intéresse pas. Par là, on va trouver dans le hangar. J'ai déjà bossé dans un avion comme celui-ci. L'expérience était marrante, la paperasse à mourir d'ennui, sans parler des trajets. Pourquoi je touche pas là?
Ah ouais, d'accord. J'étais pas prêt de le toucher de toute façon. Bizarre. Ça me saoulait, lui. Ouvre le feu. Je replie. Bah, arrête, il s'est barré, là. Oh, mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, faudra qu'on aille aussi là-haut. Donc ici et là, on prend. On va ouvrir la porte pour le coffre. Côté il y a un truc là peut-être. Non, ça on s'en fout. Le coffre là-haut. Crédit, structure adaptative. Alors est-ce que j'ai. Il n'y a pas de données. Ok. Mercure et néon, non. Allez. On va aller à l'étage. Regardez ça. Casque au moins au niveau épique. Alors, ils étaient que deux ici. D'habitude ils sont trois. Voilà, on va peut-être le trouver. Peut-être planqué dans une pièce. Donc alors on a du 3, 6, 7. Donc c'est du 4 et 3. Donc ça ne passera pas. Donc c'est celui-là. Alors, trouvons la bonne position. Donc là. Le 3. Il est là. Ensuite. 4, 7. Donc là, ça passe pas. C'est plutôt ici. Avec celui-là, voilà, après 4, donc 2 et 2, si je mets ça comme ça et comme ça, on va tenter 1, et pour finir, ça et ça. Ok, bon. Tenue d'ingénieur, on s'en fout. Bon, ils en ont plus besoin maintenant. Voilà, c'est ça. Il doit avoir un sommeil lourd, lui, c'est même pas réveillé.
ici, ici. Non. La structure en origami, je m'en fous. Donc voilà, donc on est à la fin. Allez, on se casse. Donc alors du coup, ouais, il va arriver que ça, c'est vrai. Changeons, allons voir ailleurs. On va aller sur KM5, bien sûr 5 on peut pas. Il y aura que la lune du coup. Voilà. Allons-y, hop. On va se diriger vers 5A. Après il nous reste une lune. Une planète et trois lunes, je crois. Les vaisseaux Straud et Klund. C'est ça. Non, non, 5. 5 lunes. Celle-là, on pourra pas y aller. Tiens, je vais la scanner tout de suite. Voilà. Ouais, il nous reste 5 lunes, donc ça sera pour la pour demain. Donc 0,022 de gravité. Et eau et nickel. On va se mettre là, il n'y a rien. Rien de bien intéressant. Allez. Alors, ici, nickel. Il ne manque que l'eau. Là-bas, structure militaire. Ah, là-bas, c'est encore un laboratoire biotique abandonné. Et là-haut, là-bas, c'est quoi? Pareil, c'est peut-être encore un complexe bio robotique peut-être cette fois-ci. Là c'est là le complexe robotique. Franchement ça me tente pas d'y aller. Finir la vidéo là-dessus. Bon, faut que je trouve de l'eau aussi. Peut-être en trouver sur le chemin. Le mec à l'intérieur. Une cartouche bien placée. L'éternel dilemme. Est-ce que le site est dans le cratère pour empêcher quelque chose d'entrer ou bien de sortir? Allez go. Je crois que je viens de trouver quelque chose, boss.
deux câbles encore. Agent métabolique. Ça c'est quoi? Ouais. Ah ok. Ah maintenant tu prends le microgun toi. Oh, oh. Ma tête, on paye pas assez de... Alors lui, il y a un casque niveau 8, je crois. Il y a un truc légendaire sur lui. Alors, on prend. Et les coffres, ils ont rien dedans, quoi. Où le chien? Alors voilà ce qu'il nous a parlé. Et prends-le, putain. Bon, il est où ce con? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Alors on avance 6. Donc celui-là, il va que là. Et celui-là, ici.
Et ensuite... Antibio, trousse de secours. Allez go. Truc d'urgence. Ah, hop, 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 ça j'ai déjà. Ah, l'access tu tiens, je le prends. Cet ordinateur, on s'en fout, il fonctionne peut-être. Le robot il sert à rien de toute façon. Il reste bloqué ici. Pareil, il y a encore un truc légendaire niveau 10, quoi, mec. Autant se servir, pas vrai? Bon, oui, autant se servir. Ça ira dans ma collection. Ouais, bon, cartouche de munitions. Bon. Alors, surveille pas mes arrières. Thank you.
Allez, encore ici. On prend, hein. C'est rare quand même de voir un compagnon avec un microgun. J'ai jamais vu d'ailleurs. Ok. On aura Jack. Bio-inhibiteur. Prends. Par ici, ça pourrait vous intéresser. On va prendre le saisir aussi. Et là, par ici, il n'y a rien de plus. Alors, on va descendre récupérer quelques cartouches. Là. C'est bon. Allez, on sort. Ici, tungstène, je prends de l'enduit. Bah du coup, on va cesser là-dessus, les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater une vidéo. Et on se donne rendez-vous donc demain pour continuer l'exploration du système. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Allez, ciao, ciao.